Bonjour, bienvenue dans ma classe de français. Aujourd'hui, nous allons faire une leçon de grammaire. Nous allons faire l'analyse grammaticale de l'adjectif qualificatif. Cette jolie fleur est odorante. La première chose à faire, après avoir lu la phrase, tu dois chercher les adjectifs qualificatifs de cette phrase. Voilà. Maintenant, n'oubliez pas que l'adjectif qualificatif, c'est le mot dans la phrase qui explique comment est la personne, l'animal ou la chose. Ici, on parle de la fleur. Comment est la fleur? La fleur est jolie. Jolie, adjectif qualificatif. La fleur est odorante. Odorante, adjectif qualificatif. Une fois qu'on a trouvé les adjectifs qualificatifs, nous allons analyser chacun d'eux. Joli. 2 points. Un petit rappel, l'adjectif qualificatif peut avoir deux fonctions. Ou bien elle est épithète, ou bien il est épithète, ou bien il est attribut. Quand est-ce qu'il est épithète, quand est-ce qu'il est attribut, nous allons voir ça. Ici, nous devons analyser joli. Joli, pour analyser un mot, il faut donner d'abord sa nature, le genre, le nombre, si c'est un mot qui s'accorde, et finalement, il faut donner la fonction du mot. Ici, joli, quelle est sa nature? Nous venons de voir ça. Joli est adjectif qualificatif. On écrit adjectif qualificatif. Virgule. Genre, nombre. Joli va s'accorder avec fleur. Joli prend le genre et le nombre de fleur parce qu'il se rapporte à fleur. Donc, fleur est féminin. Joli aussi est féminin. Singulier. Maintenant, quelle est la fonction de joli? Si on remarque bien, entre joli et fleur, il n'y a pas de verbe. Entre joli et fleur, il n'y a pas de verbe. Cette jolie fleur. Donc, s'il n'y a pas de verbe, nous disons que joli est épithète de fleur. Épithète de fleur. Épithète de fleur. Épithète de fleur, c'est la fonction de l'adjectif qualificatif joli. Joli est épithète de fleur. Pourquoi? Parce que entre fleur et joli, il n'y a pas de verbe. Ce qui n'est pas le cas pour odorante. Maintenant, nous passons à odorante. 2 points. Odorante, quelle est sa nature? Odorante est adjectif qualificatif. Virgule. Odorante aussi va s'accorder avec fleur. Odorante va prendre le genre et le nombre du mot fleur. Fleur est féminin, singulier. Odorante est féminin, singulier. Il faut remarquer qu'entre fleur et odorante, il y a le verbe être. Un verbe d'état. Alors, odorante a pour fonction attribut. Attribut du sujet, fleur. Ce qu'il faut retenir, quand entre l'adjectif qualificatif et le nom, il n'y a pas de verbe, l'adjectif a pour fonction épithète de ce nom. Quand entre les deux, entre le nom et l'adjectif, il y a un verbe, le plus souvent un verbe d'état, être, paraître, sembler, devenir, rester, avoir l'air. L'adjectif qualificatif a pour fonction attribut du nom.